Aujourd'hui, l'Évangile nous présente un passage rempli de paradoxes et d'enseignements qui nous conduisent à une profonde réflexion sur notre manière de suivre le Christ. À travers les paroles du Seigneur, nous sommes confrontés à des vérités qui nous bousculent et nous interrogent sur notre façon d'aimer, de vivre la foi et de combattre le mal. Tout d'abord, nous voyons Jean, l'un des apôtres, qui rapporte à Jésus qu'ils ont vu quelqu'un expulser des démons en son nom et qu'ils ont tenté de l'empêcher parce que cet homme ne faisait pas partie de leur groupe. Cette réaction de Jean peut nous sembler naturelle. Il veut protéger ce qu'il croit être une prérogative des apôtres, une forme d'exclusivité liée à leur proximité avec Jésus. Pourtant, la réponse de Jésus est claire et frappante. « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. » Jésus élargit les frontières du royaume de Dieu. Cette parole du Christ vient nous enseigner la générosité spirituelle. Combien de fois dans notre propre vie avons-nous été tentés de juger, de rejeter ou de marginaliser ceux qui ne font pas partie de notre cercle, de notre groupe ou qui pratiquent leur foi d'une manière différente de la nôtre? Jésus nous appelle ici à l'humilité et à l'ouverture du cœur. Si quelqu'un agit au nom du Seigneur, même en dehors de notre cadre habituel, qui sommes-nous pour l'en empêcher? L'Esprit Saint souffle où il veut, et souvent là où nous ne l'attendons pas. Cette leçon est particulièrement importante dans notre monde moderne, où les divisions peuvent parfois se multiplier, même au sein de la communauté chrétienne. Soyons des bâtisseurs d'unité, non pas en cherchant à contrôler qui a le droit d'agir au nom du Christ, mais en reconnaissant avec gratitude chaque geste de bonté, chaque acte d'amour accompli en son nom. Ensuite, Jésus aborde un sujet difficile, celui des occasions de chute, des scandales qui éloignent les plus vulnérables de la foi. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une meule et qu'on le jette à la mer. Ces mots forts expriment la gravité des conséquences de nos actes, surtout lorsqu'ils blessent la foi des plus fragiles, des petits dont parle Jésus. Ceux qui ont le cœur pur et une foi naissante sont particulièrement vulnérables aux exemples mauvais, aux divisions et aux contre-témoignages que nous pouvons parfois donner. Chers frères et sœurs, prenons un moment pour nous examiner sincèrement. Comment nos paroles, nos actions ou nos manquements peuvent-ils être une occasion de chute pour autrui? Sommes-nous des témoins lumineux de la charité du Christ, ou bien des obstacles à la foi des autres par notre indifférence, notre jugement ou notre mauvaise conduite? Jésus nous invite à prendre cette responsabilité très au sérieux, car nos vies sont des exemples vivants de la foi que nous professons. Enfin, Jésus nous enseigne par des paroles qui peuvent paraître extrêmes. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains. Ces exhortations ne doivent pas être comprises littéralement, mais elles nous rappellent avec force l'urgence et la radicalité de l'appel à la sainteté. Ce que Jésus nous dit, c'est que nous devons être prêts à nous débarrasser, coûte que coûte, de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de tout ce qui nous fait chuter dans le péché. Nous vivons dans une société qui valorise souvent le confort, la facilité et l'autogratification. Pourtant, suivre le Christ demande parfois des sacrifices difficiles, des renoncements qui peuvent être douloureux. Cela peut signifier couper de notre vie des habitudes, des relations ou des comportements qui ne nous mènent pas vers Dieu, mais vers la destruction. Jésus utilise ici des images frappantes pour nous dire « Rien ne vaut plus que la vie éternelle ». Toute perte dans cette vie, aussi douloureuse soit-elle, est insignifiante face à la promesse du royaume. En conclusion, ce passage de l'Évangile de Marc nous invite à une vie de radicalité dans l'amour et la fidélité au Christ. Il ne s'agit pas d'un amour superficiel ou tiède, mais d'un amour profond qui nous pousse à ouvrir nos cœurs à tous ceux qui agissent au nom du Christ, à être des témoins irréprochables pour les plus petits et à couper sans hésitation tout ce qui nous éloigne de Dieu. Frères et sœurs, demandons aujourd'hui la grâce d'avoir le courage de vivre cet Évangile avec audace. Demandons au Seigneur de nous purifier de ce qui peut être pour nous une occasion de chute et de nous donner un cœur généreux, prêt à reconnaître l'action de Dieu en tout lieu, même là où nous ne l'attendons pas. Que cette Eucharistie nous fortifie et que l'Esprit Saint éclaire nos pas pour que nous puissions entrer, avec un cœur pur et libre, dans la vie éternelle promise par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.